Le prince William est toujours très blessé par les affirmations du prince Harry et de Meghan Markle lors de leurs attaques contre la famille royale, a déclaré un expert royal. Deux ans après la sortie royale du prince Harry, les tensions entre le prince William et son jeune frère se poursuivent. S'exprimant sur GB News, l'expert royal Charles Ray a discuté de la relation jadis proche des frères et a affirmé que William était toujours blessé par les remarques et les accusations du duc et de la duchesse de Sussex à l'encontre de la famille dans leurs attaques. S'exprimant dans l'émission sur la relation tendue des frères, M. Ray a affirmé qu'il ne voit aucun moyen de résoudre le problème. Il a ajouté : William est très blessé et blessé par des choses que Harry et Meghan ont dites. En particulier sur l'émission d'Oprah Winfrey, les allégations racistes et tout le reste. L'expert royal a déclaré que William grandit en stature. Il souligne également que William s'est rapproché de son père, ajoutant que Charles et William sont les deux chefs de file de la famille royale. Le père et le fils informent la reine de ce qui se passe. L'expert royal a fait référence à la récente cérémonie de la jarretière au cours de laquelle William aurait déclaré qu'il ne se présenterait pas si le prince Andrew en disgrâce était présent. Monsieur Ray a conclu en disant « Il est, William, a beaucoup de stature. » Dans l'interview du couple avec Oprah Winfrey, diffusée en mars 2021. Meghan et Harry ont fait des déclarations choquantes sur leur passage en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique. Ils ont accusé un membre de la famille, pas la reine ou le duc d'Édimbourg, d'avoir fait un commentaire raciste à propos de leur fils, Archie. Oprah est restée bouche bée lorsque la duchesse a affirmé qu'un autre membre de la famille royale avait commenté à quel point le teint de la peau de leur fils Archie pouvait être sombre avant sa naissance. Harry a également affirmé que son frère était piégé dans le système royal et a levé le voile sur leur relation tendue. L'auteur royal Robert Jobson a détaillé les retombées de l'interview dans son livre William at 40. The Making of a Modern Monarch. Dans le livre, Jobson affirme que les commentaires de Harry ont exaspéré son frère. Il a également affirmé que William avait été stupéfait par l'allégation selon laquelle il était piégé.